Si l'art est un crime, tu peux toujours... Merde. Ok, mon petit Delsin, réfléchis. Ah, la teuf à la grande maison. Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Eh mais je suis un vrai génie du crime. Ok. Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là? C'est juste moi, Betty. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse, sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe, ça te va trop bien, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit, hein? Rien, mais... Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors... Tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty, et elle sera là dans 5 minutes, avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes, et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière fois. La dernière fois. Je retourne dans mon bureau, apparemment je vais recevoir un coup de fil. C'est pas possible qu'il y ait rien de mieux à faire. Va falloir que je trouve une sortie. Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Aller à la grande maison et monter un alibi. C'est froid. Ah, dégage! Ah, putain de mouette! Ou presque. Faut vraiment que j'arrête. T'es bien belle, Salmon Bay. Ah.
Casse-toi! C'est pas passé loin. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. Un bon plan, ça marche toujours. Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et ben peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et non, encore. Non mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers avec tes actes de vandalisme? Écoute vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon tu don un truc... Tu essaies d'exploiter ton talent, bordel, mais de quoi mais est-ce que tu fais tout le temps ça? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses allez, pas vas-y, dis-moi de quelle horrible si tu m'écoutais deux secondes, je pourrais t'expliquer. Ah ouais, parce que là j'y comprends rien. Reggie. Quoi? Regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser! Ne pas s'approcher du truc qui explose. Pigé. Qu'est-ce que l'armée fout ici? Vache, mec! Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Hé, hey, ça va? Merde, un flic. Hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le. Et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne! Je veux juste foutre le camp avant qu'elle réplique! Je vous ai dit de le lâcher, sinon je vais tirer! Reg? Oh merde, non! J'ai dit je voulais faire de mal à personne! Reg? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve Reggie. Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai! Non! Stop, stop, stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas. J'y crois pas. Il faut que ça s'arrête. Reg! Reg, faut vraiment que tu m'aides, là! Non. Je vais devoir passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Reggie! Reg, tu vas bien? Delphine, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais, ouais, ok, c'est bon. Aide-moi, aide-moi à pousser! Encore plus. Putain, toi aussi. Non, non, non! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas. Reggie, ça s'arrête va, ça pas va. Tout va bien. Ça va aller. Allez, respire. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non. 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 Tu es mon frère. Tu
Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Ok. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord? D'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord? Ouais. Allez. Ça va? Ouais. On y va. Mais jure-moi de plus faire tes tours de passe-passe, ok? Mais j'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Je ne veux pas que tu penses que ce qui t'arrive est une bonne chose. Ok? Parce que c'est pas le cas. Shérif! On peut pas entrer! Le bouton est pété! Je crois que Betty y est encore. Eh merde! Le loquet a fondu. C'est fermé. Comment ils ont pu passer? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Delphine est devenu un bioterroriste! Mais non, il est pas! Eh merde. Dès que la tribu sera au courant pour toi, ils vont paniquer. Ouais, vas-y. Disperse la foule. Ok, je vais revenir avec de l'aide. Va voir si Betty est coincée avec le bioterroriste. Et fais attention. Personne ne sait de quoi ces tarés sont capables. Ouais. Ces tarés. Ah, les conduits. C'est bon à savoir. Sacro ! Waouh, ça... ça doit faire mal. Betty, où t'es? Ouais, ça va le faire. Pas gâcher la surprise. J'y suis presque, Betty! Il faut que vous sortiez, madame. Ne vous approchez pas de moi. J'essaie juste de vous non, aider, ne madame. Ne vous approchez pas. Stop! Delphine! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça! T'es un porteur? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici maintenant. Moi, je me casse. Pas avant de m'avoir débarrassé de ça! J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs... merde! Plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Eh ouais, ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui... Il aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi? Je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Hey, attends, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non, tiens.
à nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Tu ne bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer! Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler! J'ai pas le temps! J'ai le DUP aux fesses! Et elle sait que je connais son plan. Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en tôle. Écoute, mon vieux. Ceux qui vont débarquer viennent pour toi. Sûrement pas pour moi. On t'a vu, gamin. Les gens sont au courant. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, attendez, on peut en discuter. Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde, hein? Surtout vous, les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais ce que je pige pas, c'est que vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous le répète à mon tour. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis?
Je suis un porteur. Quoi ? Je vous dis que je suis un porteur, d'accord ? Je viens de me choper il y a 2 secondes avec... avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Oh, Delcy ! Alors, Betty ? Vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Quoi ce bordel ? Ils ont transformé la grande maison en hôpital ? Merci, c'était Charles Sandal pour US TV News. J'ai dormi combien de temps ? Hey Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qui serait capable de faire ça ? Elle a blessé combien de personnes ? Et personne n'a pu l'arrêter. Oh, c'est pas vrai. Betty ! Ah, Delphine, tu es réveillée. C'est Augustine qui t'a fait ça, alors ? Oui, qu'est-ce que tu croyais ? Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache ? Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors ça veut dire que tout le monde... On est des acomiches. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Et... tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui compte... c'est que je suis l'un d'entre eux, maintenant. Tu n'es pas... l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon.